pardon. Hé, tu tiens, au nom de Thierno Mohamedoul Badrouba, imam ratib de la grande mosquée de Karamoukou Alpha Moulabé, inspecteur régional des affaires religieuses, également au nom des quatre grandes familles de l'abbé que nous appelons ici Alloudié, et Alloual ici signifie planchette pour ceux qui écrivent le Coran, mais dans ce cas-ci, c'est un aspect social. Les quatre Alloudié de l'abbé représentent toutes les diversités des populations qui vivent à l'abbé, quelle que soit leur origine, quelle que soit leur région naturelle de la Guinée, et même si c'est en dehors de la Guinée, ils font partie de ces quatre Alloudié. Ça veut dire que l'abbé n'exclut personne. Au nom également du foyer coranique d'Oud Al-Kierno Ali Oubandiang et de l'ensemble des sages chefs religieux de l'abbé, nous avons l'honneur de vous souhaiter la cordiale bienvenue dans la cité Karamoukou Alpha Moulabé. L'événement qui nous réunit ici, ce dimanche 7 juillet 2024, sera gravé à lettres d'or dans l'histoire de l'abbé, du Fouta Diallo et de la Guinée tout entière. Il s'agit de l'intronisation de notre sage, notre vénéré et notre respecté, El Hadj Thierno Abdoul Kadir Diomfo Diallo, comme Horé du Fouta Diallo. En termes arabes, on peut utiliser le mot khalife. Ce Horé du Fouta Diallo est un érudit ayant mémorisé le Saint-Coran à bas âge et reconnu tant sur le plan national que sur le plan international. Dieu le Tout-Puissant et le Miséricordieux a regroupé à lui toutes les qualités d'un homme religieux et d'un vrai religieux. Il a une modestie hors pair. Il est respectueux des valeurs cardinales de la paix, du consensus, de l'unité, de la cohésion et de l'entente sans discrimination aucune. Ce choix consensuel de tout le Fouta pour être Horé du Hong n'est qu'une récompense divine. De par sa nouvelle fonction, Horé du Fouta Diallo, il devient la référence de tous et de toutes. Il est le point d'interconnexion entre tous les fils et toutes les filles du Fouta, quelle que soit leur position géographique. Cela veut dire qu'ils soient en Guinée ou ailleurs, ils font partie de ceux-là que le calife doit connecter. Il est aussi le lien privilégié entre le Fouta et les trois autres régions naturelles de la Guinée, ainsi que le reste du monde. Il me charge de vous transmettre toute sa reconnaissance à la population guinéenne à laquelle il se confie davantage. Il remercie vivement le Collège des sages qui avait accompagné notre défunt Khalife Thierno Mamadou Banoba, que Dieu l'accueille dans son paradis éternel. Amen. Il lui tend une main franche pour toute fin utile, c'est-à-dire il tend une main franche à l'équipe qui était restée auprès de Thierno Mamadou Banoba, El Hadj Mamadou Banoba. Par ailleurs, nous demandons humblement aux fils et filles du Fouta Diallo de nous engager solennellement, ici et maintenant, de lui accorder tout le respect qu'il mérite, toute l'écoute dont il doit faire l'objet, toute l'attention nécessaire et nous rendre disponible pour les actions futures lui permettant d'assumer pleinement ses fonctions. Sa réussite est absolument la nôtre. Et là, du shérif, que ni makoude inde wonde wonno be takko ala jibano be haray e inde e jaggebe ko be maaki don ko njoni college de sage wonno be takko ala ji mohammadu bano ba khalifa meden Fouta Diallo be yimbe yo allah yurme be yafo be nada be aljanna haray mi do jetta kongol e inde amen do haray kala ko mi falji haray ko immorja en min kala ko hawri e sawaba
haray ko immorde amen men fofu haray men yetti Allah subhanahu wa ta'ala o tawni men de nyalande do hande kadi wono tawnirno men tolnugol Alhaji Muhammadu Bano Ba horejo mawdo musidal Fouta Diallo haray meden torano Alhaji Abdourahmane Ba waliw meden labe be tawata hari kala ko yani ko iwrata Fouta inde Fouta ko inde be do kala ko hewtata Fouta yotto inde Fouta ko haka be do Alhaji Abdourahmane yalla yurme be yafobe bayr woni dem feji ya kitora Alhaji Muhammadu mu'almamin mamu yo Allah yafobe fonada be aljanna iwte dun don Alhaji Muhammadu Bano pita de tawde Fouta fop kadi fottani yo ben don kany kadi lontanam be mawbe demi adi yewtugol fi mun do kanulal iwra inde Fouta kay nulal yotto Fouta kabi de Fouta ti mabere hebi ke hakunde ji mabbe kala kabe woniri kabe ara be wulbito ma kabe ara be fatto alhamdulillahi rabbil alamin entini Allah tawni en nani no be makiri do fi be shekhu be meden waliya be meden tarikha mabbe on ha kabe tolna do hande yetti Allah subhanahu wa ta'ala haray me weltani ke gouvernement on immingol be do den be yen tawde do e weltani ke kala seeni be do bangorbe e leydi fo hot guiné bas guiné guiné forestière e urbe kadi e cende den fo e weltani ke non gedal be Fouta Diallo ben iwbe e nokkel din fop hewti do be tabintini be holli ko mawbe Fouta hollata tuma wo Fouta Diallo ma mawbe Fouta Diallo hakkunde mabbe gedalbe mabbe ben wontirde ka yaasi ina wawi wa leggal ngal e calɗi ɗin iɗon geli leggal ngal bindere nden aray no waɗi koɓolle ino kaani calɗi ɗin hino laba hino waɗi piindi hino mari dimɗe kono ko honto ɗi feŋi kaka bindere calɗi ɗin no waɗi ɗowdi ko ɗuha bindere nden kono ko bindere nde rondi calɗi ɗin alhamdulillahi rabbil alamin ɓiɓɓe Fouta holli ɗum ɓiɓɓe Fouta e seeli ke ɓe mana ɓe artiri ɗowdi ndin ɓe artiri kaaki ɗin yoɗi saamu ka bindere ñolu ngun ɓeydo har fewndo Alhaji Muhammadu Bano Ba kala haajuji Fouta ɗin andeji Fouta ɗin mabundeji ɓiɓɓe Fouta ɓen tawi hiɓe mari no ɓe maakirɗo ni collége de sage on wona e takko Alhaji Muhammadu Bano Ba kala ko yani fi Fouta ɓe tooloda ɓe maakoda ɓe yamira ɓiɓɓe Fouta ɓen ɓiɓɓe Fouta ɓen huura huuwa ko ɓe yamira kon e ko mawɓe yamiri ɓe kon si tawi kadi woni ɓe hattoñine ɓiɓɓe Fouta ɓen kamɓe Alhaji Muhammadu Bano Ba e collége maɓɓe on ɓe waɗa hiito e ɓiɓɓe Fouta ɓen alhamdulillahi rabbil alamin hiɗen mari woɓɓe mawɓe Fouta no mari ɓe nela e ɓiɓɓe Fouta ɓen jaɓuɓe kadi weltori kadi irri kadi wonde makko ɓe ambassadeur ɓe mawɓe Fouta ɓen ɗum woni coordination Fouta Diallo on coordination momin noddata Fouta Diallo on e woɓɓe kañum kadi nodda fulɓe e haali fular ala kulli hal ko coordination Fouta Diallo on woni représentant mawɓe Fouta Diallo ɓen ko kordoni kala association ji fulɓe Fouta Diallo woɓɓe ka yaasi kanulal mawɓe Fouta Diallo yotto ɓen ɗon kañum kadi feƴƴina e heddiɓe ɓen ɓe jarama kamɓe kadi ɓe seeni ke
be sembini dum do e weltani ke be fota ko ina seeda e weltani ke bibbe fota jalobe ara insha Allah e problème di fota di ko fota jalo e regulte problème di fota jalo di ko takko mo be fota jalobe problème di fota jalo di e haray ko collège de sad mo Alhaji Mukhtar maaki do yottini nulal khalifa on wonde man be tamborno Alhaji Muhammad Bano Ba non yobe tamborno khalifa on insha Allah haray menen do men sedata me wonay takko khalifa meden tolnaabe hande be men tambitobe kala ko yani e fuuta insha Allah sitay hari no deji sitay hari no deji ko fotra waji hakko ne faata gol Alhaji Muhammad Bano Ba e tolnugol khalifa meden geso ila do haray insha Allah fuuta en jettati kadi lobe be yo Allah wal barke fuuta wada barke gedal be fuuta wada barke yaltube e jodibe Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa sallam on acciay hakke mi yewta e hala kula kongol coordination nationale hal kula e inde kanyum president el hadj Arseni Bari. L'installation de ce nouveau calife, dont la qualité et le niveau d'instruction ont atteint les hautes cimes de l'éducateur et du formateur respecté et vénéré de tous, dont la moralité et la sagesse servent aujourd'hui de référence et fera date pour la postérité. Cette haute personnalité de renom cultive et encourage la pratique de la main tendue pour la paix et l'unité intra- et intercommunautaire, car, comme l'a dit l'autre, la Guinée est une famille. En tant que respectable et terrain fertile devant apporter l'humus indispensable à l'émergence d'activités saines et porteuses, la moralité et la jeunesse servent aujourd'hui de référence et fera date pour la postérité. Cette haute personnalité, en tant que haute personnalité du Fouta, doit servir de référence et de boussole. Et dans ce cadre, ce qu'on peut dire en tant que cadre et terrain fertile devant apporter l'humus indispensable à l'émergence d'activités saines et porteuses, je veux dire le social et le religieux secrètent et fournissent les supports et garde-fous indispensables à l'ancrage et au balisage du progrès sur des bases durables, conformes à l'éthique et à la morale tracée par nos illustres dévanciers et que nous devons et que nous sommes invités à perpétuer. C'est aussi l'occasion solennelle de réaffirmer la totale disponibilité de la coordination Halkula et de toutes les populations à apporter tout leur soutien au respect des califes dans l'exercice des hautes fonctions qui sont désormais les siennes. La coordination félicite la présence à l'abbé ce jour de hauts responsables des quatre régions naturelles. Ceci augure de bonnes perspectives d'entente et de paix. Sur la même lancée, nous ne saurions passer sous silence le récent parrainage de la grande cérémonie culturelle annuelle, la Mamaya, organisée à Cancan, président parrainage assuré par le président de la coordination à l'initiative des sages du Nabaya. Leur forte présence aujourd'hui à l'abbé sont aussi la preuve, s'il en était besoin, de la culture de la fraternité et du vivre ensemble, le vin précieux de renforcement du tissu social. Pour inscrire cette journée mémorable dans le souvenir et l'action, tout en apportant aussi une contribution citoyenne au renforcement de notre couvert végétal qui se dégrade à vue d'œil, la coordination nationale, au nom de son président et de tous les sages, prie humblement chaque citoyen à planter au moins un arbre le 7 juillet de cette année. Nous vous souhaitons et prions d'accomplir cette mission. Je reprends, planter un arbre le 7 juillet de chaque année pour tous les citoyens guinéens. C'est le vœu exprimé par la coordination Halkula. Et la coordination tient à réitérer ses remerciements à toutes les délégations et aux hautes personnalités qui ont honoré de leur présence cette cérémonie historique et mémorable. Je vous remercie. Honorables invités, en ce jour solennel et d'intronisation de calife général du Fouta, le privilège est pour moi de prendre la parole pour remercier, féliciter et encourager les autorités
et les braves populations du région du Fouta. Le rôle du calife général est crucial dans notre société. Il incarne la continuité de nos valeurs, de notre culture et de notre identité. Nous sommes convaincus que le calife général saura inviter les collèges des charges, les leaders d'opinion, à poursuivre l'éducation civile et citoyenne de la jeunesse autour des valeurs du Fouta, de la Guinée enfin, de maintenir la cohabitation pacifique dans la paix, la stabilité, garant de tout développement. S'investir dans le renforcement du tissu social et l'instauration d'un climat de paix et de quiétude sociale et en se collaboration avec les vénérés sages et la société civile. Il est le gardien de nos traditions, le protecteur de notre communauté et le symbole de notre union. Nous accueillons avec respect et gratitude notre nouveau calife général qui, j'en suis sûr, servira notre communauté avec dévouement, compassion et intégrité. Nous lui faisons confiance pour guider nos pas, pour résoudre nos conflits et pour promouvoir la paix et la prospérité de notre région du Fouta. Vive la paix, vive l'unité nationale. Je vous remercie. Le message du gouvernement qui va être transmis par le général Bachir Diallo. Le Premier ministre, chef du gouvernement, m'a chargé de vous transmettre les sincères félicitations bien méritées de Son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, chef suprême des armées, le général Mamadi Doumbouya, au nouveau calife général, tout en lui souhaitant plein succès. Le chef de l'État m'a particulièrement demandé de dire au calife général de puiser dans l'autorité morale dont il jouit pour contribuer à l'unité nationale, à la paix, à l'entente cordiale, dans l'intérêt de toutes les filles et fils du pays, pour unir les communautés de notre pays. Nous sommes donc porteurs, à cet effet, d'une enveloppe au nom du Président de la République et du Premier ministre que nous avons remise à qui de droit. Je ne serai pas long, il était tout simplement impensable qu'une telle cérémonie se passe sans que le gouvernement ne soit représenté au niveau le plus élevé. Mesdames, Messieurs, nous vous remercions pour l'accueil chaleureux réservé à notre délégation. Que Dieu bénisse l'abbé et ses populations. Que Dieu bénisse la Guinée. Je vous remercie.